on va mettre les points sur les i. Parce que dans la vie, certaines personnes ils pensent que la communication est juste parce que tu es contre l'un pour l'autre. Non, c'est pas parce qu'on est contre l'un pour l'autre. Non, aujourd'hui, la vérité est là. La vérité est là. Normalement, ce que Raja Alimatou Deleng a fait hier, c'est quelque chose de ouf. C'est appréciable. Tous les Guinéens devraient apprécier cette dame. Tous les bons Guinéens devraient apprécier cette dame. Regardez ce que cette dame a fait hier. Ils sont où aujourd'hui les communicants de RPG? Arc-en-ciel, vous êtes où aujourd'hui? Vous êtes où aujourd'hui? Votre communicant, M. Diaby, qui a passé toute sa vie, je vais dire comme ça, qui a passé toute sa vie en train de traiter UFDG, un parti djihadiste, un parti communautaire, un parti extrémiste, un parti criminel. Aujourd'hui, UFDG a montré au monde entier que oui, UFDG, ce n'est pas un parti djihadiste, criminel, etc., etc., comme vous le prétendez. Est-ce que vous me faites comprendre? Maintenant, regarde ce qui s'est passé hier. Celle qu'on appelle Guinée Kaba comme première dame de la République de Guinée, je ne sais pas quoi, le mariage de son communicant, qui a passé toute sa vie en train de traiter le parti des autres comme communautarisme, comme extrémisme, djihadisme, etc., etc. Alhamdulillah, hier, Raja Alimatou Deleng, elle s'est déplacée uniquement pour venir assister le mariage de ce monsieur. Mais quelle honte! Normalement, aujourd'hui, tous les RPGistes, vous devrez faire la vidéo comme nous. Remerciez cette dame. Dites à les Guinéennes que oui, cette dame, c'est une brave dame. Cette dame, elle est Guinéenne comme nous. Le mariage de M. Diaby, qui a été là-bas parmi les cadres de RPG Arc-en-Ciel, personne n'a été là-bas. Et pourtant, M. Diaby a combattu UFDG à cause d'eux. Il a combattu UFDG à cause de votre parti. Mais le jour le plus précieux au monde, son jour, le jour de mariage, de ce monsieur qui s'est déplacé pour aller rendre visite à son mariage. Personne. Donc, nous, on sait déjà depuis 2010, si normalement, un Guinéen qui doit être président de la République, c'est celle-là. Il faut reconnaître cela. Ça, il n'y a pas de débat. Nous, on n'est pas des communautés, des communautarismes. Non, c'est la vérité. Nous, on soutient toujours la vérité. S'il y a un bon président en Guinée, en 2010, je ne dis pas en époque, je dis en 2010, s'il y a un bon président en 2010 en Guinée, c'est bel et bien Sello. C'est Koto Sello. Il a montré son grand cœur hier. Il a envoyé sa femme. D'un mariage, donc les ennemis ont dit, je ne sais pas comment on dit ça. Vous comprenez, non? Donc, il faut que les Guinéens comprennent que, une chose. Les Guinéens, vous devrez développer vos mentalités, comprendre le jeu politique qui se passe en Guinée. Vous comprenez, non? Parce que le parti RPG Arc-en-Ciel, il montre toujours à les Guinéennes que oui, telle personne est telle ethnie, telle personne est telle communauté,
et UFDG est un parti djihadiste. UFDG est un parti communautaire. UFDG est un parti extrémiste. Et donc vous n'êtes pas honte, vous les RPGistes. Vous les RPGistes, vous n'êtes pas honte. Vous n'êtes pas honte. Vos communicants sont où aujourd'hui? Normalement, les communicants de RPG Arc-en-Ciel, vous devrez remercier cette dame. Khadja Alimatou Dalé, vous devrez la remercier hier, l'acte qu'il a posé. Il a montré à tous les Guinéens que oui, en Guinée, la Guinée est une famille. La Guinée est une famille. Mais c'est un parti qui est venu au pouvoir montrer à les Guinéens que telle personne est arriviste, telle personne n'est pas guinéenne. C'est eux qui sont des vrais Guinéens, qui sont patriotes, etc. etc. Hein? Autant nous on a compris les Guinéens. Wa matoro ginadi aktinaran na bari. Donc mettez en commentaire mona asali asali RPG Arc-en-Ciel aura communiqué woya gima à l'hôtel que aura communiqué ebing Bouba Masanta Benito Brakila Damaru fils Ansu Damaru fils Dankatigi Fof de Madrid qui encore Mahmoudou Silla. Qui encore? Je ne sais pas qui encore. Ousmane Yelo, Fatou Yelo, qui encore? Je ne sais. J'ai oublié. Vous devrez féliciter Khadja Alimatou Dalé hier. Parce que l'acte qu'il a fait, c'est de ouf. Il a montré à les Guinéens que ouais, les Guinéens Kabirin, la Muriomu Dengaboura. Les Guinéens Muriomu Dengaboura. Elle a montré ça à les Guinéens. Ah, mais c'est Wombirimbeke, ouais, Mriomu Dengabo, sans distinguer les ethnies. Sans distinguer les ethnies. Mais vous êtes là, corrompus, vous avez vendu votre âme à cause d'argent. Vous pensez que quand nous on communique là, you know, il nous a donné du sou. Allez-y demander n'importe quel membre ou bien quel cadre de UFDG. Il ne me connaît même pas. Même pas, mais en 2020 là, j'ai soutenu UFDG parce que voilà, n'a que solution nous n'est en aigné. Solution nous n'est en aigné. Sambe nous wonga me rifin de mengera wongwanye, narambu wongwanye kolong. Ara won sa gi misère, kwa lo wona misère narankui. Ça c'est pas de la communautarisme, c'est la vérité. Vous devrez tout simplement donner le pouvoir à Kotoselu, même si c'est un mandat. On va le voir aussi. On va faire un mandat 5 ans à Naran Nabama. Mais à cause de l'ethnocentrisme, vous avez préféré de confisquer la victoire de l'autre. Que non, les autres sont arrivistes. Les autres sont. Je ne sais pas autant d'ailleurs, parce qu'on a un français ou un bébé, Faladé. RPG Mairie. Hein? Si réellement, celui il est. Ethno, alors wa fala ma kia na re wa ma yoko ngo kia na re que ouais c'est le dernier c'est un ethno amu wa ma sosoui amu genu ngi abama asali c'est le dernier ethno nara awatanga ethnocentrisme ya magaro l'ethnocentrisme de c'est le dernier là hein? Ha awa c'est grave vous savez en quel moment j'ai soutenu UFDG. Le jour que j'ai vu la photo de général, le feu général Lansana Conté, ouais, quand on s'est loura salon qui, c'est le jour où là j'ai fait campagne gratuite pour lui. C'est le jour où là j'ai compris que oui, c'est le seul qui peut réunir tous les Guinéens, sans distinguer les ethnies. Mais aujourd'hui, regardez parmi les cadres de RPG, Arc-en-Ciel, les cadres qui travaillent aujourd'hui sur la scène du gouvernement. Allez-y vérifier, visiter un membre parmi eux. Ora matomri kirignat lensana conte
l'ensemble compte à la réa femme, l'ensemble compte à photo, ou bien l'ensemble compte à sender de Sarah Rony. Amouna. Amouna. C'est le seul à faire. J'ai vu la photo de feu général l'ensemble compte. C'est le délai à Salonko. Le jour là, j'ai décidé de lui soutenir. N'a comprendre mentalement, physiquement, spirituellement. Ouais, Talias. Mais à cause de vos complicités, vous avez confisqué sa victoire. Vous avez confisqué. Que, vous voyez, Selou ne peut pas être président parce que vous le savez, Selou, déjà, la primature, il connaît. Même la dernière chambre de la primature, Selou connaît. Wa kolo narambi ndangima primature abirin kolon se retouré ya ku narambi ndangima abirin kolon. Donc quand lui il va venir au pouvoir aura kobe muyade ya abirin nambule kema. C'est à cause de ça vous avez privé, vous avez privé Kotoselu d'accéder au pouvoir. Mettez les cœurs, il y a des vampires qui mettent tête mort, il faut mettre tête mort, il faut le mettre jusqu'à après demain, hein. C'est la vérité, oh! C'est la vérité! Oui? En tout cas, chapeau à Raja Alimatou Dale. Vraiment, vous avez un cœur. Je ne sais pas comment je peux vous apprécier. Je ne sais pas comment je peux vous apprécier. Oui, sinon quelqu'un qui vous a traité comme djihadis, communautaire, extrémistes, etc., etc., de vous déplacer, d'aller assister son mariage. La première dame, Gené Kaba, ou bien Gené, je ne sais pas quoi, Gené Kaba Kondé, ou bien Gené Traoué Kondé, je ne sais pas, Marliat Koulou, elle était où? Elle était où? En ce moment-là, la femme de ministre, comment elle s'appelle? Ministre de la Défense, elle était où? En ce moment, la femme de ministre de la Sécurité, elle était où? Mais c'est seul Raja Alimatou Dale s'est déplacé. Aller lui faire rendre la visite. Arama, c'est pour montrer à son jeune frère que oui, la Guinée est une famille. You know? C'est ça qu'on a grandi. Nous avons grandi comme ça. La Guinée est une famille. On a instauré ça dans notre tête. La Guinée est une famille. Mais aujourd'hui, en 21e siècle, une partie de la Guinée est venue au pouvoir montrer à les Guinéens que oui, telle personne est arviste, telle personne n'est pas guinéenne, telle personne est guinéenne, telle personne est quoi, telle personne est quoi. Raja Alimatou Dale, chapeau à vous, big up à vous. Alara Sima, nous santé à Fima. Iwa Wamfe, Alara Fima. Imengaya nan fem fera la Guinée de malan. Il la Guinée jeune malan. Il la Guinée jeunesse bir malan. Ala remengaya fi ira remema. Munta mu communauté ramato telle personne est peul, telle personne est malinké, telle personne est susu. Non. Nous voulons simplement un bon Guinéen qui peut développer notre pays. Al ko la Guinée ka fanga ba mini fe aventure. En 21e siècle, le pays, quand tu prends l'Afrique de l'Ouest, quand tu prends l'Afrique de l'Ouest, la Guinée est le premier pays immigrant. La Guinée est le premier pays immigrant en 21e siècle. Le temps de compter, les Guinéens, on ne savent même pas ce qui veut dire Europe, ce qui veut dire Amérique. Quand quelqu'un quitte en Europe et vient en Guinée, tout le monde pensait que oui, il vient de Arjana. Quand quelqu'un vient aux États-Unis, tout le monde pensait que oui, il vient de Arjana. Mais aujourd'hui, en 21e siècle, les Guinéens sont sortis comme ça. Wow! Partout dans le monde entier maintenant, 2021, tu trouves les Guinéens là-bas. Alarana ba wumbe. Alarana ba wumbe. Menge kobi alara kel wonguma. Menge kobi alara kel wonguma. Alara ragnon le Guinée bi nyaati gi menge kobi ragnon nyira munne bi ndan kamane ham mun sama bendelo ona re u bi he tan sa sama bendelo ona re mun ma menu mun bembe roma mun ma menu mun bembe roma ona kan bi na bala Guinée ke alara birin bi le woma wo ga denu wo ga Guinée wo ga fami ma
Ola Guinadé ramené aventure, vampire, corps amérique.